Rebonjour et re-bienvenue dans le stream de l'écran bleu. Alors, je crois qu'une fois de plus, je crois que j'ai des problèmes de son en fait. Et c'est un problème, c'est tout à fait un problème, c'est tout à fait un problème, c'est tout à fait Road Redemption, on est de retour, pour assurer Road Redemption, oui, ce n'est pas du tout un stream terminé au pipi, tac tac tac, touc touc touc, on est présent, bon désolé, hein, désolé, ce sont des choses qui arrivent, les aléas du direct. Hop, campagne. Les aléas du direct sont totalement présents. Je suis désolé. Donc oui, c'est un jeu encore en early access. Peut-être que c'est pour ça que c'est pas la stabilisance totale. Mais en fait, non, je pense que ce sont mes problèmes de... Je crois que j'ai des problèmes de son, je crois que c'est ça qui me fait faire des BSOD. Faut que je transforme, que je transfère ma, mon ancienne carte son sur le PC là. Et c'est un... Ça va être du boulot à faire et je suis même pas certain d'avoir un slot disponible sur ma carte mère pour la foutre, donc ça va être chaud. Oui, ça va se faire, vous inquiétez pas. Et Tom, est-ce que tu sous-entendrais que ce n'est pas propre chez moi? Non, mais j'ai essayé en 480, c'était pas brillant. Alors j'ai essayé il y a un moment déjà. Je pourrais réessayer sans doute, hein. Mais le truc, c'est que en fait ici le débit est pas stable. Et du coup, autant les instabilités ne se voient pas trop quand je suis en 10 FPS, autant si je suis en 30 FPS, ça se voit vachement, quoi. Et en fait, le buffer arrivait pas à tenir. Bon, je pourrais essayer de temps en temps, hein, y a pas de problème, mais j'y crois pas trop. Le problème, c'est qu'il faudrait que j'ai des cobayes pour tester si ça marche ou pas. Et les gens ont autre chose à foutre de leur vie que de regarder un stream qui buffer. Mais non, c'est vrai que ça pourrait être plus pratique en 480, je suis d'accord. Et il y a aussi un truc, c'est que ma carte graphique n'est pas non plus la dernière des dernières. Et donc du coup, bah, pour l'encodage, il se peut que je puisse pas encoder aussi bien que d'autres qui ont des PC un peu plus vaillants, n'est-ce pas? Je vais faire comme Julia Gaming et je vais me faire payer un PC par mes auditeurs, par mes viewers, tout ça, par mes fanatiques. Merde, allez, un petit coup de speed. Putain les mecs, je suis en pleine nitroisation, les gars ils me dépassent, ils en ont rien à battre, quoi. Avec leur bécane en mode normal. Et oui, tout va bien. Non, mais voilà, c'est juste... Je suis toujours salé quand il y a une IA qui est un peu cheatée. Hein, en l'occurrence, elle l'est pas qu'un peu. Merde, mais vas-y, tourne. Fais comme si t'avais une bécane et tourne, bordel. Merde, non, c'est pas toi que je voulais taper. Yippie-caillé, comme le lait caillé, tout ça. Alors... Ah oui, bah bonjour. Écoute, on va la gagner. Allô, qui est là, Jonas? Est-ce toi? Non, c'est moi. Ah, Benoît, comment vas-tu? Ça va, tu m'entendras peut-être un peu mal, je suis en bagnole. Non, du moment que tu t'éloignes pas trop, que tu vas pas à la cuisine, ça va. Non, mais je suis en bagnole, donc... Oui, non, mais c'était ça, la blague. Dans la cuisine. J'ai pas de cuisine dans ma voiture encore, hein. C'est compliqué. Ah, mais là, voilà, tu vois, t'as manqué de prévoyance. Voilà, alors... Une voiture une cuisine dans une décapotable, ça va être compliqué, hein. Genre, t'es en décapotable. J'ai une 207cc, moi. Oh, monsieur ne se refuse rien. Ah, ouais, ça fait cher.
Bah, en même temps, en Bretagne, ça doit pas se vendre super cher, les décapotables. Tu rigoles, mais tu sais qu'on est, Oui, enfin, je je crois. pense qu'elle est plus Ouais. depuis quelques temps. Je crois effectivement avoir vu ça, mais je suppose que c'est parce que le. Bah, on a envie de profiter du moindre rayon qui passe, quoi. Ouais, bah c'est les meilleures ventes de voitures décapotables, c'est Bretagne et Angleterre. Ouais, en Angleterre, ça se vend très bien. Il suffit de voir le. Il suffit de voir les petites MG qu'il y avait à l'époque. Oh putain. Ah, il y en a encore, Ou hein. les Bah, je pense qu'il y en Caterham. a encore. T'en as pas mal à vendre des MG sur la Bretagne. Pas très cher en plus. Ouais, mais niveau vieilles anglaises, je préfère ma mini, hein, vous m'excuserez. Les mini, les vieilles? Même, ouais. Vieilles. Ah ouais, bon. J'ai une vieille de 91, mais c'est quand même les vraies, quoi, c'est pas les nouvelles. Si tu veux l'appeler Mister Bean. Je vais t'appeler Mister Bean. Ouais, mais si tu peux, y a pas de problème. Il me semblait qu'il était en Trabant. Non, pas en Trabant, en Reliant. C'est le truc à trois roues là. Ou alors c'est le mec qui troll. Oui, je crois qu'il troll un mec qui a une. Tu sais, les bagnoles à Ouais, trois c'est ça. roues là. Non, lui, il a une petite mini verte. Mais il a une mini des années 70. La mienne est rouge, tu sais, couleur Cooper quoi, normal. Bon, qu'est-ce que t'as fait à Noël alors? Bon, rien comme d'hab, on est à la famille, on a bouffé, on a bu. Tranquillou. Qu'est-ce que t'as bouffé de beau? Tranquille. Ouais, putain, ma soeur, elle a fait un foie gras. Aïe, trop bon. Franchement, Elle-même. les foies du commerce, ils peuvent se rhabiller. Ouais, elle a récup... enfin, elle a acheté le foie au supermarché, mais elle l'a dénervé et préparé elle-même. Ah bien, Et intéressant. franchement, waouh. Attends. Parce Elle que. a fait flamber quelque chose ou elle a juste fait comme ça? Non, comme ça, bêtement. Pas tu vois comme du foie gras normal quoi. Et en fait ma tante en avait déjà fait, mais il était pas aussi léger. Là, elle l'a fait au Mombaz, donc forcément ça marque des points chez moi. Avec le Allez. Mombaz, tu peux pas te tromper. Ah. Et du coup ouais, c'était très sympa. Et sinon quoi, toi, qu'est-ce que t'as fait de beau? Ben moi j'ai mangé avec mon père, un ami à mon père le 24 au soir. On a mangé du bouquet, du homard, du foie gras et du saumon. Allô? Ouais. On n'avait même pas fini le homard. Le lendemain j'ai bouffé avec ma mère chez les beaux-parents. Chez les parents du mec à ma soeur, on a mangé du petit four, du saumon fumé, du. Merde. Ah merde, le poulet là. J'ai oublié le nom. Chapon. Chapon, et puis voilà. Et puis le soir, le lendemain midi, j'ai mangé. Les bouquets, mon père avait fait une salade avec les bouquets et le homard qui les coupé en morceaux, avec une petite salade verte. Et on a bouffé les escargots. Oh, c'est bien pété le bide. Ah, j'ai pris 2 kilos, hein. En 2 jours. Ah bah ça. Si c'est pas 3. Et ouais, j'ai eu quoi? J'ai eu une machine à thé. C'est les Nestlé, là. Machine spéciale thé, là. Une MST? Hein, une machine, c'est spéciale thé. Ouais. Le thé est super bon. J'ai eu quoi d'autre? Du chocolat, un petit. J'ai eu bah, plein de capsules de thé, hein, bien. Ouais. T'as eu la Et panoplie, quoi. j'ai eu du parfum Lacoste avec ma soeur. Et le pote à mon père avait amené une petite casquette. C'est, j'avais acheté une casquette, espèce de casquette en cuir là. Casquette en cuir. Oh, non, j'ai pas souvenir de ça. C'est du cuir retourné, coco. Voilà. Pas du cuir, machette, Oh t'as bah dû faire la tête. pas du cuir moustache. Du coup, il avait emmené une petite casquette à mon père comme ça, en cuir retourné bleu un peu. Comme elle allait pas, mon père, le pote à mon père m'avait dit peut-être qu'elle la prend. Du coup, c'est une belle casquette. Super bien. C'est bon. Ah bah écoute, tant mieux, tant mieux. Pareil, cette sonne encore. Le mec, je fais merci. Enfin, quand tu vois le type qui la vente, ça prend 900 balles, tu sais. Merci. Le mec, il était pas obligé, quoi. Oh putain de bagnole.
Alors, j'espère que la sécurité. Ah putain, j'espère que la sécurité routière est meilleure de ton côté que du mien, parce que putain. T'es en bagnole? Non, mais je joue à Road Redemption, donc du coup, j'ai des bagnoles qui tombent du ciel, tu sais, des épaves de bagnoles qui tombent du ciel, c'est un peu déstabilisant. Ah oui. Tu me diras, ça me change pas beaucoup de la vraie route, certes. Ah non, mais en Bretagne, ça fait conduire les gens, c'est un truc de fou. Ouais, non, mais partout, hein, c'est horrible. Ouais, Mais. non, mais. Parce qu'il met. C'est la façon de prendre les ronds-points, déjà, ils sont hyper dangereux ici. Ça, ils doublent dans les ronds-points, les mecs, ils doublent dans les ronds-points. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est les gens qui mettent pas leur clignotant. Ça m'énerve. Bah, ça dépend quand tu. Quand t'es dans un rond-point que le mec il prend la première, ça va. C'est pas gênant. Ben, si t'es en train d'attendre que le mec passe et que du coup s'il mettait son clignotant, tu pourrais Ouais, ils directement tournent pas, t'engager, tu vois, déjà c'est chiant quoi. ça ils savent pas faire en Bretagne. Mais les ronds-points, je crois qu'ils devraient faire des stages pour les gens pour la parce que le code change. Mais malheureusement, bah on n'est pas informé qu'il change. Donc Ouais. il y a des gens qui prennent les ronds-points comme dans les années 80, enfin, 70. Bon, en tout cas, en même temps, moi je prends les ronds-points un peu à la sauvage, mais bon, je fais gaffe à ce que je fais Oh, quand même. c'est Et pas je mets mes toi. clignotants, bordel. Putain, 22 secondes, je vais mourir. Je vais mourir, je vais mourir. Et ici, c'est quoi les ronds-points, c'est pire. C'est une horreur. Non, ça va. Ouf. Oui, il avance la poubelle. Ah, coucou, monsieur Tripoud. Bienvenue, tout ça fait vroom vroom. Oui, je veux plus d'XP, donnez-moi de l'XP. Putain, je suis mal en Ah point. putain, j'ai internet cet après-midi. Oui! Ah, enfin. Et alors, du coup, tu seras à DSL un peu cramé comme t'avais là-bas ou. Non, j'ai de la fibre. Oh, salaud, putain, mais. Ah, N'importe quel mais comment connard, tu la fais là? fibre de nos jours, c'est vraiment dégueulasse. On donne la fibre à n'importe qui. Voilà. J'ai de la fibre, mais du coup, ce qui m'emmerde, c'est qu'il va falloir que je change un peu le PC parce que. Bon, c'est bien beau d'avoir de la fibre, mais si t'as pas le PC pour, hein? Oui, bon, et en même temps, plus t'as de connexe, moins t'as besoin d'encoder. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais après, il faudrait que j'ai un. Faudrait que je change la carte graphique. Là, en attendant de changer de. Il y a les processeurs AMD qui sortent, là, qui sont pas mal du tout. Mais comme je disais, faut que tu fasses comme Julia Gaming et tu te fais payer un PC neuf par tes viewers. Juste parce que Bah, t'avais un virus sur l'ancien. je vais commencer à mettre un donation leader parce que mine de rien, ça commence à me coûter un peu cher. Et bah, si les gens veulent payer de la meilleure qualité, voilà, peut-être qu'ils donnent pas ça là-bas, je vais. Ah, mais les qualités totalement professionnelles. Je pourrais surtout faire du 1080 60 FPS, quoi, ce serait sympa de faire un gros jeu, parce que là, je peux pas faire du gros jeu. Ah Que bah. du tech. En même temps, il y a des streams où on sait bien que les gens ne viennent pas pour la qualité de l'image, hein, ni pour la qualité du gameplay. Ouais, mais ce serait bien que par exemple pour les multi, tu vois, sur la chaîne, qu'on ait un gros PC pour qu'on puisse faire des multi-streams par exemple. Ouais, ça serait sympa d'avoir de la marge, tout à fait. Ouais. Si je pouvais faire des versus avec les deux streams encodés directement sur le PC, bah allez, ce serait pas mal, hein. Ce serait pas mal. Alors, tac, tac, tac. C'est encore mieux, 4 streams en même temps. Moi, je peux le faire, je l'ai déjà fait, hein, deux streams déjà en même temps. En restreamant la partie d'un pote, je l'ai fait, mais ça pixelise et puis voilà, c'est parce que Oui, c'est trop oui. court. Je me doute Et bien. là, tu vois, j'ai acheté 490 de chez Radeon et non, 480, pardon. Et il y Ouais. a les 500 qui vont sortir, donc je vais attendre un peu parce que les 500, ouais, enfin, ils devaient sortir fin d'année et ils vont avancer la sortie. Je vais attendre un petit peu. Oui, tu ferais bien. Voilà, et puisqu'elles vont être à 300 balles normalement, donc bon, ils sont prévus à 300 balles, donc bon, pour 20 balles de plus, voilà, je vais attendre un peu, ça reste trop cher les 480. Et je vais surtout changer de processeur, parce que c'est pas grave.
Ah putain! Ah le crash de la mort! Oh, tu aimes les poils sur le torse, mais oui, totalement. Je suis les poils sur le torse incarné, mais... Non, non. Ah, Je n'ai pas une énorme pilosité torsienne. Thoracique. Enfin, comme vous voulez. Ce n'est pas torsal, ton corps change. Oh putain. Ah, tout à fait, Tripoud, c'est totalement une citation du Joe Bartim, quand même, bien connu de nos services. C'est mon émission moto parce que je fais aussi du ride. Donc du coup, la citation m'a paru tout à fait adaptée. Oh putain, mais c'est le bordel ici. Caille chez toi aussi ou quoi? Écoute, ça va. C'est juste qu'il y a des espèces de grosses brutes qui sont là pour me tenir compagnie, donc ça va. Bah, je croyais qu'on devait les perdre hier en fait. On les a peut-être perdus aujourd'hui, j'ai pas. Ah non, je vais un peu partout, donc je pense que bah, là, ce qui paraît, toute la semaine, ça caille. Ça caille, et puis on a du vent d'est. En même temps, j'ai envie de dire, c'est l'hiver, les gens. Hein. Ouais, mais pour moi, le camion, c'est pas pratique parce que s'il pleut là-dessus le soir et qu'il fait froid le matin, bah, l'air là, voilà. Écoute, t'as pas signé pour être maître nageur au Club Med, hein. J'ai un pote qui a travaillé là-bas. Par contre, il était géo, il était pas maître nageur. Merci, un petit peu de vie. T'en as mis partout, elle est blanche. L'herbe est blanche. L'herbe est blanche. Ah, c'est gelé. Bah écoute, Tom, bonne journée à toi. Amuse-toi bien, bon courage si tu vas travailler. On va te décaisser un petit thé. À ta santé. Ne prends pas froid, prends une petite laine, apparemment il fait froid. Ça caille, ça. La caille sa race. Je vais te laisser le temps de ranger le. Allez, on va dire que c'est bon. Allez, on s'en fout, on gaze comme en 40. Yeah, brah! Oh là là, oh quel con. Shootnani, sache que je crois que normalement on peut mettre des liens totalement au pif, hein, si nécessaire. Conformément à mes principes, il y a zéro modération, zéro bad word, zéro. Enfin voilà. Et bienvenue dans le Darknet! Ah putain! Putain, mais vas-y! Oh là là! Oh la saloperie! Putain, je vais déjà mourir dans 10 secondes, mais tellement quoi! Putain.
Oh les mais le dark Twitch, oui, bah tu vois, c'est la darkest timeline. Et les gens, ils m'avaient mais tellement dans le viseur, quoi. Moi, je me débrouillais mieux avec la bécane précédente. Oh putain, 448. Ah, je peux pas choper de nouvelle bécane. Ah putain, vous me faites chier. Bon, l'argent n'est plus tellement un problème. On est d'accord. Ça, je ne peux plus le prendre. Ah putain, 450, c'est trop. Oh là là. Oh. Du ouf. Vie. 450, c'est trop. Putain, vous me faites chier. Bon. Oh, c'est chaud, le build est chiant. Hein. Le build est chiant. Allez, plus de dégâts. Plus de dégâts et on y va. Ouais, ne t'inquiète pas si t'as un warning. A priori, il te fera rien. Tant que tu bourres pas comme un salaud. Bon, allez, Shovel Knight. Shovel Knight. We came together when the feeling's right. Explosive. Explosive. Shovel Knight. Ce qui est con, c'est que je n'ai pas de pelle. Et je devrais avoir un bonus d'attaque de malade si j'avais une pelle. Oh putain. J'avais une pelle. Hop, oh, putain, merde. C'est pas ça que je voulais. Voilà, ça c'est fait. Est-ce que j'ai un bonus d'attaque de malade si j'ai une pelle? C'est une question qui mérite d'être posée. On est totalement posé comme la question qui mérite. Oh là là, bon bah voilà, ça m'apprendra à être agressif comme un connard. Ah putain, mais... Merde. J'ai passé. On va dire que c'est pire. Deux. Allez. Une. Et on est bon. Coucou Elixir, Saul, bienvenue. Les bières sont au frigo, tout ça, tout ça. Le Jack Daniels est probablement au bar de Sons of Anarchy. Elle gain up, max health up. Ça, c'est. Je vote utile. Hop, oh, putain. Ah, à chaque fois, j'oublie que le jeu commence immédiatement après que t'es confirmé. Donc, du coup, c'est un petit peu le bordel. Et encore une mission d'élimination, je déteste les missions d'élimination, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bourre. Ah putain. Je me demande si la durabilité n'est pas en fait la résistance au crash des bécanes. Ce qui n'a aucun sens, hein, mais bon. Oui, je dis avoir du sens et pas faire du sens. Je ne suis pas un philosophe de merde, ni un youtubeur aux fortes tendances paysannes dans l'expression, mais même si j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer, mais c'est quand même un petit peu paysan de faire des fucking
barbarisme. Comme ça. Enfin, barbarisme. Des fucking anglicismes. C'est un peu la mort. La mort. La mort du YouTube game. Alors, je vais éliminer. Allez, on bourre, on bourre, on bourre. Allez. On va essayer de pas mourir avant. Putain, merde, ils peuvent se barrer. Vite, vite, vite. Putain, mais... Les mecs, ils me laissent tellement pas de temps, quoi. Tellement, tellement pas de temps. Bon, bah, apparemment, Elixir était un fan de Bob Lennon. Bob Lennon qu'on aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup, en tout cas. Et c'est marrant, je connais beaucoup de gens qui sont dans le game, qui trouvent que, oh là là, Bob Lennon... Non, Bob Lennon, il fait des trucs vraiment très drôles. Et je trouve qu'il a des choix de jeu parfois très intéressants. Heureux. Ça parlait mal de Bob Lennon, si tu veux. Non, moi, j'en parle en bien. Je l'aime bien, Bob Lennon. Hein? J'aime bien Bob Lennon aussi. Ah, bah voilà. Alors, toi, je vais t'éliminationner. Merde. Voilà, voilà. Bra, bra. Bah moi ce que j'aime beaucoup c'est que en fait j'ai toujours l'impression, tu sais c'est comme des fois t'as des potes ils sont bourrés mais ils sont marrants bourrés. Bah j'ai l'impression que Bob Lennon c'est comme ça, et pourtant soi-disant il boit pas beaucoup, mais ouais, voilà, encore un faux breton, j'ai envie de dire. Ah c'est vrai qu'il est chez moi lui. Je crois qu'il était, enfin, je crois savoir qu'il vit à Rennes, mais effectivement, je ne sais pas d'où il vient. Morpillard, pareil. Hein? Qu'est-ce que tu disais? Je crois qu'il a ouvert. Ah, oh! D'accord. Oui, non, excusez-moi, je t'entendais pas, il y avait des coups de feu autour de moi. Hashtag le stream du ghetto. Putain, mais vas-y, crève. Oh putain. Là. Bon, moi je peux monter mes petits gâteaux avec toi, puis après. Ah bah t'es plus dans la bagnole du coup. Ah non, non, je suis arrivé, j'ai rangé le cours. Ah. Toi, tu fais tes courses tôt, toi. Bah après le temps. Ouais, ouais, mais. Genre ça ouvre à 9h30 le truc quoi. Enfin par chez moi. Ah ça va. Je déteste les missions d'élimination, je vous l'avais dit ou pas? Oh putain. Oh putain comment c'est chaud. Oh putain, comment c'est chaud. Mais tu vas mourir à un moment. Ah putain. Oh putain. Alors c'est quoi le nom de la machine? C'est la spécialité. Mais bah, la marque et tout ça ou quoi? Nestlé. Bah. C'est Nestlé. Ah là là. De Longhi. Ah de Longhi. Ah bah non, ça c'est plus legit là déjà. Ah putain, j'ai encore fait de la merde. Oh là là. Ça s'annonce mal, hein. Ce run s'annonce très très foireux. Qu'est-ce que je peux prendre? Putain, j'ai même pas une thune en fait. Oh là là.
Troisième ou mieux, bon, on va faire ça. Quel mec? Pour la fibre. Pourquoi? Pour la fibre. Ah! Ok, ok, salaud! Ouais, je sais. Alors, c'est la fibre chez qui? Que tu me dises miséricable et que je me foute de ta gueule. Ah. C'est quand même assez triste que soi-disant Free devait passer à la fibre tant qu'il pouvait et en fait ils font de la merde. Parce que... Oui, non, mais ça n'empêche pas, si tu veux, que de toute façon ils sous-louent les infrastructures à Orange, ils pourraient bien sous-louer la fibre à Orange aussi. Hein. C'est la fibre gigabit. Bah, ça n'empêche pas de la sous-louer. Oui, oui, oui. Non, mais moi, là, c'est la fibre gigabit. Ça fait 500 minimum. Ouais, ouais. Tu vas avoir un truc, tu vas avoir un... Merde, comment ça se... speed test. Ton speed test va ressembler à celui de Crane, salaud. Ouais. Tu l'avais vu, putain, quand il était dégueulasse. Oh. Mais moi je crois que j'ai pas pris gros débit fibre parce que je pouvais prendre c'est du 100 200 ou 200 500. Je crois que j'ai pris que du 100 200, ça me suffit alors. Oh. Après la même m'a dit que genre normalement j'aurais pris le maximum parce que j'ai juste changé de forfait téléphonique. Mm. Parce que j'avais pas besoin d'appeler à l'international et tout ça. Ah bah. Ça. Pas toujours utile. Personnellement, ça me sert, mais c'est, je comprends que pas mal de gens s'en foutent. Non, mais avec le fixe là. Ouais. Avec le fixe, mais avec le portable, je l'avais, mais ça sert à rien. Si j'appelle quelqu'un à l'étranger, j'appelle. Oh, c'est chaud. Ouh. J'ai plus de 20 balles sur ma facture. Hein. En passant à la fibre. Ça va. La VDSL2 c'est super cher en fait. Bah super cher pour un gain qui est quand même marginal. Oui. Sauf que par rapport à la VDSL c'est un gros gain. C'est surtout d'avoir Netflix sur la télé. Parce que la tablette c'est bien beau mais la VDSL... Bah, tu sais, t'as qu'à t'en rapprocher. Hein. Si tu trouves que c'est pas assez gros. Non, mais c'est bien quand je suis dans le lit, je la mets sur la table de chevet, je m'inflige. Même dans le salon, c'est un peu chier d'avoir la table. Voilà, les choses se passent. Les choses se passent totalement. Acheter une télé 4K, c'est pas pour moi. J'ai des pros, je n'ai pas la télé. Ah ouais. Bah, ça fait quand même 200 balles de gagner. C'est sûr, c'est sûr. Oui, il y avait une 4K de Philips. En 109 cm, je crois que je l'ai payé 14,59. Non, c'est pas cher. Non, bah non, bah t'enlèves. Dans le commerce, je crois qu'elle est à 670 000. Mmh. Bon, faut que je gagne plus d'XP, faut que je gagne plus d'XP. J'ai toujours pas de co-machine vie, tout va bien. Ah putain, à l'épreuve des toits, je déteste. Putain de toi, putain de toi, oh de moi. Merde, ah putain, ça tournait. Ah. Bon. J'ai encore signé un contrat de merde, un contrat à la con. Hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, mais j'arrête pas de me faire des petits contrats en bouche, j'en ai qui passent un contrat de plus.
ta foi. Ah putain, j'ai oublié de récupérer de la vie. Du con. Ah. Et l'idée aussi d'emménager dans une grotte, dans un trou de hobbit. C'est des spots, c'est de merde, tu sais, les spots ici. Une ampoule à la con, c'est ici. Oui, oui, les vieux spots à l'ancienne, quoi, même pas halogène. Ah putain! Je savais qu'il fallait que je récupère de la vie, bordel. Ça va se traduire par des effets de merde. Putain, l'électricité est forte, ça me va chier. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu sais, quand tu remets. Moi, j'ai jamais de l'électricité, j'ai toujours une télécharge comprise, quoi. Et du coup, ils sont obligés de me faire un forfait, mais ils sont obligés de me faire le forfait maximum au départ. Parce que j'ai pas de. Comment on appelle ça? J'ai pas d'antécédent. Oui. 70 balles par mois pendant 8 mois, puis après ils me remboursent tout. Quoi. C'est chiant. Ah bah. 70 balles quoi. Wow. Il me dit, vous inquiétez pas, sous 8 mois on vous rembourse la différence. Bah. Ah, sous 8 mois, bah c'est cool. Bah tout va bien. Ouais, sur 8 mois ça fait 8 fois 70. J'ai mal au cul. Hein. Il me faire un gros chèque en fin d'année, tu vois. Je pense que je fais quoi, 40 euros d'électricité par mois, maximum 50. Le chauffage il est à 21 degrés, ça va fonctionner beaucoup. Bon, pour moi 21 c'est déjà chaud. Hein. Je comprends. Non. Ouais, mais je travaille dans le froid. Donc, ouais. J'avais une copine qui bossait dans les congélos. J'avoue que rien que d'y repenser, tu vois, ça me fait frissonner. Ah, les surgélateurs, moi, j'ai bossé sur l'horreur. Quand tu ouvres la porte, il fait moins 22. Normal. T'as les congélos qui glacent direct. Sens, oh putain. Ah, c'est horrible. Eh, là encore, hein, Géo, Club Med, tout ça. Bon. Ceci est le run de la réussite. Ceci est le run de la réussite totale. Oh putain. Ça me fait penser, je suppose que t'étais pas là l'autre jour, il y a Vintendo qui a fait un record mondial sur X-Watt, un jeu que j'aime bien en plus, et j'étais vachement content pour lui, franchement il a super bien géré. C'est un jeu Mega Drive, là où t'es un espèce de cyber flic avec une grosse armure. Bon, au début, t'es un flic normal et ensuite, paf paf, Manuel Valls s'est élu et donc t'as une super cyber armure de bourrin. Manuel Valls s'est élu. Le mec qui passera jamais, de toute façon. Ah, va savoir, on disait la même chose de Trump. Hein. Sauf que bon, notre Trump national, on sait qui c'est. Mais les Américains ont eu peur parce que Poutine a menacé les États-Unis. Qui a menacé les États-Unis? Je t'entends pas là. Excuse-moi. T'avais pas su ça? Non, mais il a menacé les États-Unis de quoi? Les mecs, ça fait 30 ans que ça se regarde en chien de faïence. Ah bon, c'est bon quoi, on devrait être habitué. Non, moi, à mon avis, ce qui a le plus compté, c'est l'histoire du... Ah putain, faut que je le gaz. L'histoire de... Le Pizzagate. Je sais pas si t'as entendu parler. Les mails.
Oui, mais pas juste les mails, mais tu sais, les mails comme quoi. Oui, Hillary Clinton parle de pizza, mais en fait, c'est un code pour parler d'un truc de pizza où ils violent des enfants dans la cave. Oui, bon, soi-disant, il n'y a pas de cave, mais c'est les reptiliens, tout ça. Enfin, tu découvres ce truc-là et tu sais, c'est vraiment, c'est comme dans Matrix, hein, t'es complètement dedans. Coucou Saint-Frater, joyeux soleil invaincu, tout ça, joyeux solstice d'hiver. Bon, alors qu'est-ce que je peux prendre? Ah, pas grand-chose comme d'hab. Bon, c'est le run de la réussite, j'ai dit. Oh putain! C'est le run de la réussite, bordel. Et je déteste les missions d'élimination, je crois que j'ai déjà dit. Ah putain. Qu'est-ce qui est mort? George Michael? Non, non, c'est... non, je dis tout le monde est mort aujourd'hui. Ah, je sais pas, mais en tout cas, je crois que George Michael est mort. Oui. Ben, j'étais pas au courant avant ce matin. Il est mort à l'ONU. Très con. Ah bah écoute, il a dû faire un peu trop la teuf. Il est mort d'une overdose de poppers. Non, mais le mec qui a chanté la Christmas qui meurt le jour de Noël. Très con. Ah bah écoute. En fait, c'était pas le Noël orthodoxe, donc ils s'en battaient les couilles. Non, je sais pas comment ça s'est goupillé. Oh putain. Je ne sais même pas de quoi il est mort. Bon, et est-ce que les gens ont envie de bien vouloir mourir, s'il vous plaît? Merde, putain. Bon, ok. Me faites pas chier. Ah, il y a Thierry qui essaie de parler. Thierry qui essaye de parler. Oui. Je disais salut les affreux, mais j'étais en push to talk. Ah bah oui. Forcément, ça va marcher moins bien. Il est en vacances, lui. Il t'emmerde. Bah écoute, j'ai envie de dire, ça veut dire qu'il a un taf. Putain. Oh, j'ai réussi. Oui. Putain, c'était super chaud. Toi, t'as streamé tard, sale con. T'es vu? Ouais. Bah oui, écoute, hein, si tu veux, il faut ce qu'il faut. Hein. Alors, t'as Qu'est-ce la que... fibre maintenant? Il Non, doit pas du l'avoir tout. aujourd'hui. Et qu'est-ce que t'as streamé de beau? On a streamé du Heroes of the Storm, puis on a streamé du Borderlands. Et puis j'ai fait quelques tests de micro on-off, parce que j'étais pas satisfait de mon micro. T'as changé de micro du coup? T'as pris un truc USB ou quoi? Ouais, c'est ça. Et le bras qui va avec. Bah là, tu l'utilises, Non, bah pas c'est les ça, oui. points. Exactement. Bah ta voix est plus claire. Hein. Et en plus, je ne regarde pas le micro, je regarde mon chat qui est sur mes genoux, tu vois. T'avais pris un filtre anti-pop ou pas? Non, pas du tout. On peut en faire des très bien avec un bas enfilé sur un cintre. Je vous dis Non, mais ça. pas plus. Est-ce que Non, c'est mais. vraiment nécessaire? Bah, s'il est proche de ta bouche et que ça souffle dedans, oui. Même sans ça d'être devant ta bouche, si tu veux, ça fait cette pied de merde en Non, mais là où c'est chiant, c'est quand ça fait peu, 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 tu sais, quand tu souffles dedans et tout. Tu veux C'est dire très vite un peu relou. comme ça? Ouais. Je veux dire un peu comme pas quoi! Non, mais je suis à 30-40 cm du micro là. Ouais, ça devrait aller. Ah, Enfin, là, oups. pas, J'ai mais tué un en temps ami par normal. erreur. Je suis sûr qu'il m'en voudra pas. Après, le bird est pas mal pour commencer. Ouais, en fait, j'ai comparé les deux plages de fréquence. Au lieu de faire 10, 20K, il fait 15, 20, 20K. Donc, je veux dire, 5 Hz de fréquence basse. Censément inaudible en plus. Exactement, c'est totalement inaudible, oui. Donc, Ah bah et pour une tolérance de plus ou moins 2 dB de différence au niveau de la sensibilité, je me dis ça vaut pas les 10 boules, quoi. À 2 dB ça peut faire beaucoup, mais de toute façon c'est difficile de se fier aux chiffres hein, quand t'achètes des trucs.
Enfin, moi je l'avais acheté 68 boules avec le bras. Hein. Le seul truc que je regrette un peu, c'est la mini table de mix en fait. J'aurais dû prendre le modèle juste au-dessus, ouais. Bon, je verrai ça plus tard, moi, pour la table. En fait, ici, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai. Ça marche super bien pour avoir à la fois le Discord sur une table, enfin sur une carte son USB. Et avoir le son, le retour du PC qui revient depuis la carte normale. Ce qui veut dire que je peux séparer les canaux quand j'enregistre aussi. Tu vois ? Et donc d'enregistrer dans mon fichier MP4 un canal avec le son du jeu tout seul, un canal avec la voix et puis un canal avec le Discord s'il faut. Ah, c'est vrai que ça peut être sympa ça. Mais je diffuse les trois canaux. Ouais, mais après tu peux changer tout sur le. Ouais, c'est vrai que c'est sympa comme idée. Ça veut dire que si tu veux faire du montage ou censurer un mec avant de mettre sur YouTube, tu peux y aller quoi. Mmh. Sans, oui. Sans bouffer le son du jeu. Ah ouais. Le seul inconvénient, tu vois, c'est que le retour du PC est sur la prise mon en fait de la table. Et cette prise n'est absolument pas. Elle est branchée, donc tu as le signal. Point à la ligne, pas te faire foutre. Ouais. Donc tu peux pas éliminer le signal pour avoir juste le Discord et les trucs comme ça quand tu fais une pause et quand tu vas causer avec tes potes sans avoir le son du jeu en arrière-plan, tu vois, par exemple. Mm. Ou alors faut commencer à arracher les fils et là c'est un peu l'enfer quoi. Ou alors tu coupes le son du jeu sur le. Ouais, mais ça veut dire qu'à ce moment-là ta diffusion ou ton record est le son du jeu est coupé. Bah oui. Voilà. T'es nouveau occupé à taper des mecs à moto ? Voilà. Hashtag la sécurité routière. Ouais. L'IBSR te remercie. Je ne sais pas si. C'est l'Institut belge de la sécurité routière ? Exactement. Non. Moi, je fais ça. C'est spécial dédicace à Chantal Perrichon. Hein ? Qui se reconnaîtra. Sur laquelle on pisse allègrement, on pisse de l'huile comme si on était une bécane anglaise. D'ailleurs, je pense que ton chat est planté. C'est possible, ou c'est peut-être que ça ne dit rien, je ne sais pas. Je te dirais, de toute façon, on est bientôt en fin de VOD, donc... Enfin, même si c'est le run de la réussite, hein, je l'ai dit. Non, je le sens quand même pas super. Mais tu sais, en fait, le truc, c'est que Chantal Perrichon, qu'est-ce que c'est, je dirais que c'est la Marion Séclin de la sécurité routière. Marion Séclin? Ah merde, oui, évidemment, vous, les Belges, vous avez échappé à Marion Séclin. Attends, on a Maggie, hein. vous avez votre ministre de la Santé, enfin je crois qu'elle s'est fait virer ou il y a eu un truc, votre ministre de la Santé encore. Là. Ah non ? Non. C'est vrai qu'elle s'était fait virer, c'est marrant. Pourquoi ? Pour obésité ? Non, virer genre, non, c'est pas du tout qu'on a trouvé un... C'est pas du tout qu'on a trouvé un ministre de la Santé qui va mourir dans les 3 mois. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'en Belgique, ils choisissent pas les ministres pour leur physique. Hein. Ah bah là, en l'occurrence... Ou alors, faut aimer les grosses. Ouais, mais là elle était pas choisie pour son image de marque, parce que quand même, ça la fout un peu mal. Mais après, tu vois, je veux dire, t'as les hashtags « Oui, je suis grosse, mais en bonne santé », tout ça. Mais non, donc Marion Séclin, c'est une féminazie française qui passe à la télé. Et, ah. Chantal Perrichon, c'est un peu ça, si tu veux. Le truc, c'est que y a un de ces gamins, merci pour le prout, No Skill TV. Il y a un de ces gamins qui est mort sur la route pour une raison X ou Y. Hein, je suppose qu'il s'est fait écraser par un chauffard quelconque. Et du coup, la meuf, c'est devenu la croisée. Oulala, mais vous comprenez, on devrait faire comme en Suède ou je sais pas quoi. On veut zéro mort sur les routes et donc. C'est la famille voilà. De France. Voilà, allez, exactement. C'est l'équivalent de famille de France pour la route. Donc, il va de soi que moi, étant qui je suis et roulant comme je roule. À combo ouvert.
Un tombeau largement désacralisé, on va dire. Non, mais di disons que j'estime que les. Si tu veux, dans le permis moto, on t'apprend que les vitesses, elles sont indicatives. Les vitesses limites, elles sont indicatives. Il y a des fois, tu dois aller beaucoup moins vite. Et il y a des fois, tu peux aller beaucoup plus vite. Et donc, du coup, voilà, tout ce qui est à base de radar, tout ça me plaît pas, tu vois. C'est pas ma came. J'apprécie assez peu d'être surveillé sur la route et ailleurs. Qu'est-ce que tu disais, c'est le bonhomme, Elle est moche. j'entends? Elle est moche? Le bonhomme? On a perdu le bonhomme? Maintenant, je suis là. Ah merde! Zut alors! Non, je sais pas quelle gueule elle a maintenant, Chantal Perrichon, mais bon, j'ai l'impression que ça n'a jamais été un canon de ouf, et à la limite, c'est pas le problème. Je veux dire, le problème, c'est que ça soit une grosse conne, et ça c'est vraiment très grave. Parce que pour une Ah, c'est une meuf. vieille peau, hein. C'est une Pour vieille peau. On dirait Chantal Goya, mais qui est passée sous un rouleau compresseur. C'est pas moi qui le dis! Non, mais je veux dire, pour une meuf, tu vois, qui s'est fait tuer son gamin bêtement sur la route, c'est franchement pas la première et pas la dernière. Les conneries, elle a bouffé. Et rien qu'à cause de ça, voilà, elle fait chier tout le monde. Genre, oui, machin, on va foutre des radars partout, gna 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 gna. Ben, moi, j'ai envie de lui dire à cette dame-là, mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, mais par tous les trous. Parce que franchement, voilà, Ah bah une graisseuse à mon avis, il y en a, il y a même des escarres partout là. Tu peux y Non mais, aller, la meuf, ça ne voudrait pas soir. bon non allez les enfants, moi je vais aller prendre ma douche, bah à je vais aller faire des plus. courses parce qu'il n'y a rien à bouffer à la maison. Ah bah écoute, bonne course. Il faut jamais faire les courses quand on a faim. Je sais pas si tu connais. Oui mais je viens de manger, je viens de Bon déjeuner, là voilà, je. c'est plus prudent. Bah, je vais vous laisser aussi, je vais faire ma petite sieste. Dans ce Bon, moment. ça y est, dès que ça parle mal de Chantal Perrichon, les mecs ils s'enfuient, voilà. Hein? Non, on a lâché, c'est bon, on teste les merdés avec le CSA maintenant. Allez, à plus les gars. Allez, à plus. Ciao. Ouais, Chantal Perrichon, c'est tellement le mal, quoi. Parce que la majorité n'a pas à souffrir des. N'a pas à souffrir des méfaits de la minorité. Moi, je le dis toujours, hein. Je suis pour qu'on laisse les gens se tuer. Et une partie de cette philosophie implique qu'on laisse les bécanes aller vite. On n'en a rien à foutre. Et que voilà, les gens ils sont ouverts, ils survivent, ils sont pas ouverts, ils meurent. Et même, j'ai envie de dire, si les gens se rendaient compte à quel point la route est dangereuse, peut-être qu'ils iraient plus souvent en transport en commun. Voilà. On résoudrait le problème de la pollution. Du même coup, hop, un peu de vie. De toute façon, c'est le run de la réussite, je l'ai dit. Donc, me faites pas chier. Allez, toi, un bras bras. Oh là là, les voitures sont là. J'ai pas été assez aware, j'avoue. Shoot Nanny qui s'en va, je ne sais pas. Ah, ça y est. Tout le monde s'enfuit, hein, voilà. Ouah, les Google Cars. Ah, mais tu sais, Shoot Nanny, les Google Cars, je compte totalement les troller tant que je peux. Une fois qu'on connaîtra un peu mieux l'algo, je compte troller les Google Cars tant que je peux. Hein. Ça va être. Ah, tu disais au revoir aux autres. Ok. Je compte troller les Google Cars tant que je peux. Parce que ça mérite d'être trollé, tu vois. Les gens, ils sont pas foutus de prendre le train. Préfèrent faire chier avec leurs bagnoles sur les routes. Et j'ai envie de dire, voilà. En plus, avec les bagnoles Google, ça va être tellement, tellement à câble de partout. Ça va être tellement dégueulasse. Oh putain, oui, non mais là. Ah, j'ai dit, c'est le run de la réussite, bordel. Bon, on a une minute pour faire je ne sais combien de kilomètres. Allez, speedons un petit peu. Oh putain. Mais vas-y toi, mais putain, mais comment il me pousse l'enfoiré? Oh là là.
Ah bah oui, bah bien sûr. Ah bah bien sûr, ah bah voilà. Ah c'est du joli. Ah là. Oh putain. Mais ouais, Chantal Perrichon seille le mal. Et le pire, c'est qu'il n'y a personne pour se... pour faire entendre la voix de la raison dans cette, dans toute cette affaire. Tous les politiciens se ruent pour lui sucer la bite. Et ça, c'est quand même assez dégueulasse. Oui, c'est déjà hackable tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, c'est un degré de hackage relativement faible. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore toutes les failles, etc. Mais il va y en avoir de plus en plus de connus et il va y avoir de plus en plus de bagnoles de connus. Ouais, il y a un truc. Alors, je sais bien que hashtag je mets mon petit chapeau en aluminium. Mais je vous garantis qu'il va y avoir des gens qui vont mourir bêtement de leur bagnole Google. On va se dire, ah bah là, c'est... Ah zut, c'était un bug. Ouais, j'y crois tellement. Moi, je te dis, les mecs, ils vont se faire assassiner, mais comme des chiens, il n'y a personne qui va faire le lien. Putain, il y a plein de monde sur la file de droite. Et ça ne respecte pas le vrai code de la route, messieurs. Bon, ça fuck la police tant que ça peut. Ah merde, c'est un pote. Merde. On beat the block. Et essayez de pas me tirer dessus, les potes, hein. Putain, ils me font rater les bonus, ces salauds. De toute façon, c'est le run de la réussite. Par contre, je ne sais pas ce que je vais réussir. Je vais peut-être juste réussir à me prendre un gros mur. Malgré le gros mur, dos mur, je sais pas quoi. Ouh, oh putain. La circulation est quand même folklorique, hein. Ne nous laissons pas captiver par le combat. Nous sommes là pour nous casser vite fait. Que la vie. Oh là là, oh là là. J'ai envie de dire bras 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 dans leur cheville. Ah putain, saloperie. Ah putain, saloperie. Ah putain. Saloperie de triple saloperie. Bon, on va baiser le game. Oh là là. Tous les potes sont partis du coup. Voilà, dans le jeu comme dans la vie, tous les potes sont partis. Voilà. Close up se passe. Ouf. Alors, est-ce qu'on peut connaître... Ah oui, ça tourne comme ça. Je connais pas trop la route ici. Faut que j'explore un petit peu le chemin boueux et sinueux. De toute façon... Ah putain! Bon, ok. Putain, plus qu'une mine. Oh ouais, non, c'est bon. Le truc est pas loin. Je flippais, mais le truc est pas loin, donc a priori, ça va aller. Oui, il y a l'indication de distance en bas à gauche. Si vous ne l'aviez pas remarqué. De toute façon, c'est le run de la réussite. De la fucking réussite. Voilà. Le cache est présent. Bon, Shoot Nanny est encore là. Ah, oui, c'est vrai, j'étais encore dans le mode que, comme quoi tu te barrais. Cash gain up, machine throw up. Et vos bonus, ils me servent à rien. Moi, ce que je voulais, c'est une vie. À un moment, on m'offrait des vies à acheter, mais plus maintenant. Ce qui est quand même assez dégueulasse. Quand même assez dégueulasse. Ouais, allez.
De pain. Je crois pas l'avoir faite cette. Putain de flic. Le flic qui me tase. Don't tase me, bro. Mais oui, tout va bien, je passe entre les obstacles, voilà. Double tap direction to place, ok. Garcimor avec un Uzi, abracadabra. Bon, on a récupéré de la vie. Putain, mais... Double tap direction to replace me. Oui, Garcimor avec un Uzi. Merde, abracadabra. Ça n'a pas eu lieu. Putain, ceci n'est pas une vue chiante. Bon. Je sens l'ampoule au doigt d'accélération qui est en train de se faire. Le doigt du soir est en train de faire les amplifications maximales. Allez, on se récupère de la vie. Parce que... Bon, alors on m'a dit troisième ou mieux. Oh putain. Oh là 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 là. Alors là, je me suis totalement vautré la gueule en présence d'un flic. Donc dans un vieux rodrache. Oh putain, j'aurais été éliminé de la course. Éliminé de la course pour cause d'arrestation. Et bah finalement dans celui-là non. Et là aussi c'est un peu dommage parce que ça te faisait quand même flipper que les flics... Que les flics te fassent des petits coups de pute dont ils ont le secret. J'ai envie de dire, bon voilà. Ils font des petits coups de flic quoi. Hein. Les vrais savent. Hop, on se récupère de la vie parce qu'on est des gars comme ça, nous. Là, ils sont derrière. La fin de la course est derrière la montagne. Oh là là, je perds tellement de vitesse. Je vais jamais réussir cette épreuve. Oh putain. Mais fuck la police. Bon, on va récupérer encore de la vie. Ouais. L'échec. L'échec est patent, l'échec est total. Les vrais confirment. Bon alors est-ce que mon chat, il y a des gens qui m'ont dit que mon chat était planté. Je ne sais pas si c'est le cas. De toute façon, non, ça a l'air d'aller. C'est peut-être un peu en retard, mais ça a l'air d'aller. Donc c'est le run de la réussite, hein, rappelons-le. C'est le run du first try. Merde, ah putain, ah là là. Il tourne. Et je vais pas killer tout de suite, donc je vais pas winner tout de suite, non. Et on découvre un petit peu les chemins boueux. Le petit chemin qui sent la noisette. Chaud. Je ne récupère pas de munitions, mais peut-être que je vais gagner du temps. Le petit chemin qui sent la noisette. Bon, ouais. Voilà. Oh putain, les mecs ils sont tous vénères. C'est bon, calmez-vous. Ah putain, j'ai pas réussi à récupérer. Putain. Ah mais putain, ça m'a... Je vais tellement mourir dans cette affaire. Ah putain. Salut. Coucou Jonas, c'est maintenant que tu te réveilles. Ah.
Parce que tu fais trop de folie de ton corps, c'est pour ça. Je sais pas si on peut vraiment dire ça. Ah putain, oh, c'est tellement le bordel. De toute façon, t'arrives pour la fin de VOD et pour la fin de stream Nantes. Ouais, ah là là. Ouais. Les voilà. Gens, mettez des pouces. Mais oui, mettez les pouces devant, les pouces derrière, les doigts du soir, tout ça. Bon, je suis désolé, hein, c'était le stream de la réussite à réveiller Jonas. On a réussi. Et pour le coup, bah, je vous dis bisous. Et puis. Et bah à bientôt les VOD tout ça. Et moi je vous dis bismillah. Et buvez votre thé, n'hésitez pas, mais n'en faites pas trop. Et puis bah à bientôt, à demain si vous le voulez bien. En VOD, hein, parce que là, le streamage ça suffit. Allez, à bisous, à plus. Bien.